Dans cette vidéo, je vais présenter deux approches psychométriques qui sont encore largement considérées dans la communauté académique en psychologie comme suffisantes pour rendre acceptable l'idée qu'on sache mesurer des grandeurs psychologiques avec des réponses à des tests psychotechniques. Ma perspective sera essentiellement critique. Je voudrais montrer que ces approches ont une fonction idéologique. Elles servent à camoufler ce que je vais appeler un scandale idéologique, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache pas mesurer de grandeur psychologique avec des réponses à des tests psychotechniques. Et je voudrais aussi montrer que ces approches créent une catastrophe épistémologique qui consiste dans le caractère facultatif de la validité logique des conclusions qu'on tire des données dans les pratiques psychotechniques. Cette catastrophe épistémologique est culturellement anodine parce que l'utilisation des probabilités, loin d'être soumise à une appréciation critique, est en quelque sorte devenue un impératif socio-technique pour l'édification du savoir dans la plupart des sciences. Tout d'abord, reformulons l'argument qui permet de conclure qu'on ne sache pas mesurer des grandeurs psychologiques avec des réponses à des tests psychotechniques, ou plus exactement, l'argument que le fait qu'on ne sache pas mesurer des grandeurs psychologiques avec des réponses à des tests psychotechniques soit l'hypothèse scientifique par défaut. Si on sait mesurer au moins une grandeur psychologique d'au moins une personne avec les réponses à au moins un test, c'est qu'il existe une fonction Q qui prend ses valeurs dans un ensemble oméga que je vais préciser tout de suite, qui est définie dans un ensemble oméga et qui prend ses valeurs dans 0 max, qui, à tout instant de la vie de cette personne, qui est donc un élément de oméga, associe une et une seule quantité de la grandeur, sinon il n'y a rien à mesurer. D'autre part, il faut que lorsque la personne passe le test, la quantité de grandeur soit constante et que les réponses au test dépendent de cette quantité selon un principe de mesurage qui est formalisé par la fonction f, donc définie dans 0 max, à valeur dans un ensemble que je note D pour description où D est l'ensemble des MUP qui décrivent les réponses possibles à ce test pour cette personne. Donc cette fonction f est une fonction multivariée, c'est-à-dire que f est égal à f1, f2, etc. jusqu'à fm, où pour tout i égale 1, 2, jusqu'à m, fi donc, est défini de 0 max dans l'ensemble DI, qu'on avait aussi appelé précédemment AI. Ça veut dire que cette fonction de mesurage FI associe à toute quantité petit q une et une seule réponse qu'on peut obtenir avec l'item numéro i. Donc on peut ordonner les éléments de DI de telle sorte que cette fonction FI soit croissante, ce qui entraîne que F est croissante. Donc par conséquent, les observations qu'on peut faire lorsque cette personne répond au test sont de la forme F de Q de petit oméga, où petit oméga est un ensemble de grand oméga. Donc on note aussi F rond Q de oméga, et donc c'est égal à F de Q. Voilà la forme que prennent les observations qu'on peut faire avec le test si les réponses au test sont des mesures. Donc, deux observations f de Q de oméga égale F de Q. Et F de Q de oméga prime égale F de Q prime sont comparables. Or, les connaissances empiriques accumulées, en incluant les observations que nous avons effectuées pour la vidéo numéro 3 intitulée « Fonction de mesurage, application aux tests psychotechniques », montrent qu'on ne peut pas exclure que les réponses d'une personne à un même test passé à plusieurs reprises soient incomparables. L'existence de la fonction composée f rond q n'est pas une hypothèse par défaut, c'est l'inverse qui devrait être vrai. A priori, lorsqu'on considère une personne quelconque susceptible de passer un test quelconque, il n'existe pas de fonction f rond q permettant d'interpréter les réponses de cette personne à ce test comme des mesures d'une grandeur psychologique dont on l'accrédite. Bien entendu, cette hypothèse peut être fausse et elle est falsifiable. Il suffit, pour la falsifier, d'admettre que les réponses de cette personne seront toujours simplement ordonnées, ce qui, à nouveau, est une hypothèse falsifiable. Venons-en à présent au caractère scandaleux de cette hypothèse par défaut, dans le contexte académique contemporain qui va de la fin du 19e siècle à nos jours. Les questions qui sont licites en psychotechnique sont « Mesure-t-on la bonne grandeur », ce qu'on appelle la validité d'un test, et avec quelle précision mesure-t-on cette grandeur, ce qu'on appelle la fidélité d'un test? La question de savoir si les grandeurs psychologiques, comme l'intelligence, l'anxiété, etc., existent, est illicite. Il n'est pas question de douter de l'existence de la fonction Q. La question de savoir si ces grandeurs, à supposer qu'elles existent, sont mesurables, est également illicite. Il ne s'agit pas de savoir si, par exemple, la capacité de calcul mental est mesurable, mais de savoir si les tests qu'on utilise pour cela sont valides et fidèles, ce qui ouvre le champ d'une compétition technique pour développer des tests de plus en plus performants, comprendre de plus en plus valides et fidèles, ou encore dont les propriétés psychométriques sont meilleures, en remarquant au passage l'identification trompeuse du test et des matrices de variance-covariance qui font l'objet des analyses statistiques. Un des signes les plus évidents du scandale de la non-mesurabilité des grandeurs psychologiques est un signe linguistique. Les tests psychologiques ou psychotechniques sont appelés instruments de mesure. Il y aurait quelque chose de scandaleux à aller contre cet usage parce que si les tests psychologiques ne sont pas des instruments de mesure, que produisent-ils et à quoi peuvent-ils bien servir? Si on dépouille les tests de leur statut d'instrument de mesure, on dépouille les scores psychotechniques de leur statut de mesure. Or, les scores servent notamment à faire des évaluations, c'est-à-dire par exemple à comparer l'intelligence des personnes. Si on admet que les grandeurs psychologiques sont des notions non mesurables, on a un gros problème social. D'où vient la légitimité des évaluations psychotechniques? Pourquoi faire confiance aux données psychotechniques? Pour se développer comme discipline académique, la psychologie moderne, pour aller vite, s'est fondée sur le rejet de la philosophie et sur l'élaboration d'une technicité socialement utile. La psychotechnique, qui encapsule l'idée de mesurer des grandeurs psychologiques, a été une des principales branches instrumentales de l'arbre de la psychologie. Si on reconnaît que les tests psychologiques ne sont pas des instruments de mesure, on porte une grave atteinte à l'intégrité de cet arbre. S'il est clair dans tel ou tel contexte d'application que la fonction f n'existe pas, et s'il est culturellement impossible d'admettre que les grandeurs qu'on invoque ne sont pas mesurables, alors on comprend que les efforts pour consolider le mythe psychotechnique aient été socialement porteurs. La manière la plus simple de consolider ce mythe est de décréter que les scores psychotechniques sont des mesures. La théorie classique des tests introduit l'idée que les scores contiennent de l'erreur de mesure et, subrepticement, que cette erreur de mesure est le résultat inévitable du fait même qu'on puisse faire des mesures. Avant de détailler l'idée d'erreur de mesure de la théorie classique des tests, je voudrais faire trois remarques préalables. La première concernant ce qu'est un score. La deuxième concernant le caractère coercitif du scorage, c'est-à-dire de la fabrication de scores. Et la troisième pour montrer que le scorage ne règle rien. La première remarque est qu'un score n'est pas une observation conceptuellement neutre. Un score est une façon d'agréger plusieurs observations en une seule observation. Par exemple, ma première réponse au test de calcul mental était... Alors, c'était YCM égale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ce qui correspond au score de 8 points. De 10 observations contenues dans le 10 supplé, on passe à une observation contenue dans un 1 uplé. Et cette agrégation modifie la notion même d'information, puisqu'il y a, d'après la combinatoire, C 10 exposant 8 égale factoriel 10 sur factoriel 8 fois factoriel 2 égale 10 fois 9 sur 2 égale 45. Il y a 45 disciplés distincts qui ont pour score 8 selon la manière dont on attribue une place aux 2 zéros et aux 8 1 dans le disciplé. Par exemple, on pourrait très bien avoir 0, 0, 1, 1, etc. Ou bien 0, 1, 0, 1, etc. Il y a 45 façons différentes d'écrire un disciplé qui a pour score 8. Autrement dit, un score défini une classe d'équivalence en dépit du fait que les éléments de cette classe d'équivalence ne soient pas identiques. Ce disciplé n'est pas identique à celui-ci. Ce qui pose la question du critère d'équivalence. Un critère d'équivalence possible est que tous les items du test ont la même valeur. Mais alors, il faut se rendre compte qu'on vient de fabriquer et non pas de découvrir une unité de valeur. Ce glissement de la découverte à la fabrication, de la recherche d'une explication scientifique de la réponse à tel ou tel item, à la recherche d'une technicité évaluative, est une rupture ontologique. On peut donner une valeur à des objets comme on donne une valeur monétaire à un objet, mais cette valeur n'est pas un fait naturel, c'est un fait social, c'est-à-dire un fait qui est vrai relativement à une certaine culture, à une certaine manière commune d'appréhender les objets, qui se transmet comme une convention qui résiste aux oppositions individuelles isolées. Mais cette valeur conférée aux objets n'a pas l'existence indépendante d'une grandeur mesurable qui cause les phénomènes observés avec des instruments de mesure. Par exemple, considérons un jerrican d'eau et un lingot d'or. Dans le contexte social par défaut, la valeur monétaire du jerrican d'eau est largement inférieure à la valeur monétaire du lingot d'or. Mais si on transpose ces deux objets dans le contexte d'une île déserte privée d'eau potable, la valeur monétaire des deux objets s'inverse. Autrement dit, donner une valeur monétaire à un objet, ce n'est pas lui donner une propriété intrinsèque. De la même manière, donner une valeur à un item ou à la réponse à un item, ça n'est pas donner une valeur intrinsèque à cet objet. Autre exemple, ma première réponse au test d'estime de soi était... Alors... YES égale 4, 4, 3 étoiles... 1, 2 étoiles, 3, 1, 1 étoile. 1 étoile, 3 étoiles. Ce qui correspond au score de 23 points. Combien de disciplés différents correspondent à ce score de 23 ? Faute de connaître une formule de calcul, on peut demander à un ordinateur de lister les 4 exposants 10 disciplés possibles, hein, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 million, et de compter ceux dont le score est 23. Je remercie au passage Frédéric Ferrati qui m'a écrit un script R pour cela. Il existe 110 disciplés possibles, donc distincts, qui ont pour score 23, qu'on peut fabriquer avec des 1, 2, 3, 4, et qui, de fait, sont considérés comme équivalents du point de vue du scorage des réponses au test. Donc, plus de 100 000 façons différentes de répondre à l'échelle d'estime de soi pour avoir un score de 23. La distorsion descriptive qu'implique le scorage garantit que toutes les réponses possibles sont comparables. Prenez 2 scores quelconques, vous êtes sûr que l'un est plus petit que l'autre ou qu'ils sont égaux. L'incomparabilité des réponses au test est ainsi purement et simplement supprimée grâce à la technique du scorage. Deuxième remarque, les techniques de scorage sont coercitives, comme toute technique de description qui prétend produire des observations objectives au sens faible du terme, c'est-à-dire au sens où elles résultent d'observateurs réputés interchangeables. Un psychologue qui déciderait de critiquer les fondements du scorage ou d'utiliser une technique descriptive différente porterait atteinte au consensus qui, à la fois, de manière dynamique, émane de la communauté des utilisateurs du test et construit cette communauté. On ne remet pas en cause les usages techniques sans susciter de fortes résistances parce que l'adhésion à ces usages est constitutive, au moins partiellement, de la communauté technique. Troisième remarque, le scorage engendre la multiplication des grandeurs psychologiques mesurables. Alors, oublions la possibilité que les réponses qui sous-tendent les scores soient incomparables pour pouvoir admettre la possibilité que les scores soient des mesures. Si les scores sont des mesures, c'est que la variation des scores dépend d'une variation quantitative, de telle sorte qu'une augmentation de score résulte d'une augmentation de la quantité que le score mesure. Or, comme les scores sont des éléments discrets, le principe de mesurage qui explique les scores est formalisé par une fonction par palier. Par exemple, les scores au test de calcul mental mesurent une quantité de capacité de calcul mental parce qu'ils sont reliés à la capacité de calcul mental de cette façon. Donc, on a pour le test de calcul mental, 10 scores possibles, 0, 0 bonne réponse, 1 bonne réponse, 2 bonnes réponses, etc., jusqu'à 10 bonnes réponses. Et le score est le résultat et l'image par une fonction de mesurage, d'une quantité de capacité de calcul mental. Capacité de calcul mental qui va de 0 jusqu'à un maximum. La fonction qui permet de relier les quantités de capacité de calcul mental au score est une fonction par palier, c'est-à-dire que on a besoin d'envisager que de 0 à un certain seuil, ben, la réponse est 0, que de ce seuil jusqu'à un autre seuil, la réponse est 1, que de ce seuil à un autre seuil, la réponse est 2, etc. jusqu'au dernier seuil, qui est max, de sorte qu'on a un palier ici, donc voilà à quoi ressemble la fonction de mesurage qui permet d'interpréter un score de calcul mental comme la mesure d'une quantité de capacité de calcul mental. Ainsi, puisque mon score de calcul mental n'a pas changé, c'est-à-dire que lors de la deuxième passation du test de calcul mental, j'ai obtenu Y'. Calcul mental égale 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'avais donc deux erreurs, ce qui fait que j'avais un score de 8 points. Donc mon score de 8 points n'ayant pas changé, je peux déduire de cette observation que la quantité de calcul mental, de capacité de calcul mental que je possédais lors du premier test se situe dans un intervalle qui correspond au score 8, quelque part à 8. Il y a un palier qui définit l'intervalle sur 0 max de toutes les quantités qui peuvent avoir pour image 8. Donc je peux déduire de cette observation 8 et 8 que ma quantité de capacité de calcul mental est restée dans cet intervalle. Selon le même raisonnement, je déduis que ma quantité d'estime de soi a augmenté puisque mon score est passé de 23 à 26, sachant que la réponse au retest d'estime de soi était Y''ES égale alors 3, 3, 4 étoiles, 2, 1 étoile, 4, 1, 3 étoiles, 1 étoile, 4 étoiles. Si on fait la somme de ces valeurs, on trouve 26. Donc, comme tout à l'heure, on peut envisager, pour interpréter les scores d'estime de soi, une fonction de mesurage par palier qui, à toute quantité d'estime de soi, associe un et un seul score. Alors, les scores sont définis dans l'ensemble. Le score minimum, ça va être une personne qui répond 10 fois 1. Donc, 10 fois 1, ça fait 10, 11, 12, etc. jusqu'à le score maximal. Le score maximal, c'est une personne qui 10 fois répond 4, donc 40. Donc, on a une fonction par palier que je schématise comme ça. Et quand on passe de 23 à 26, ça veut dire qu'on passe d'un palier à un autre. Ça veut dire qu'on passe d'un intervalle de quantité à un intervalle de quantité qui se trouve après le premier intervalle. Donc, ça veut dire que la quantité d'estime de soi a augmenté. Mais je peux aussi considérer que le test de calcul mental est en fait un double test. Je peux définir un premier sous-test de calcul mental composé des items impairs. Donc les items impairs, ça va être cela. Le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Et un second test de calcul mental composé des items pairs. Ce qui me donne maintenant les scores. Alors, on va regarder ce que ça donne. D'après le premier test, j'ai 1, 2, 2, 2, 3 points. Donc j'ai 3 points. Et d'après le second test, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de calcul mental. Donc je considère une mesure bivariée de ma capacité de calcul mental. Avec le premier test, j'ai 3 points. Avec le deuxième test de calcul mental, j'ai 5 points. Même raisonnement avec la deuxième passation. Avec le premier test, j'ai 0, 1, 2, 3, 4 points. Avec le deuxième test, j'ai 1, 1, 2, 3, 4 points. Donc deuxième mesure bivariée de ma capacité de calcul mental, j'obtiens 4, 4. Voyons ce qui se passe graphiquement. Donc, si je veux formaliser que ce score de 3 points de calcul mental est une mesure de ma capacité de calcul mental, ça veut dire que pour ce premier sous-test, je suppose qu'il existe une fonction de mesurage qui, à toute quantité de capacité de calcul mental, donc capacité de calcul mental, associe un et un seul score. Donc les scores possibles, c'est 0, bonne réponse, 1 jusqu'à... Ben là, je peux tout définir, puisque le score maximal, vu qu'on n'a que 5 items, c'est 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a une fonction par palier. Alors, 1, 2, 3, 4. Oui, il faut que je me donne de la place pour la dessiner correctement. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, et 6. J'ai 6 paliers parce que j'ai 6 scores. De la même manière, puisque j'ai un deuxième test de calcul mental, je suppose qu'il existe une deuxième fonction de mesurage pour ce deuxième test, que je vais dessiner ici. Je vais la dessiner en bleu pour qu'on y voit bien. Donc, pour le deuxième test, alors je vais la dessiner en vert. Voilà. Donc, pour le deuxième test, dont les scores varient dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai aussi une fonction par palier. Donc 0, max, capacité de calcul mental, qui permet d'interpréter que le score à ce deuxième test est une mesure. Voilà la situation. Alors regardons ce qui se passe. Premier test, j'ai 3 points. Ça veut dire que ma capacité de calcul mental se trouve dans l'intervalle qui correspond à 3. Donc ma quantité Q se trouve ici. De capacité de calcul mental. De la même manière, puisque cette quantité Q a été mesurée par le second test, par le score 5, ça veut dire que cette quantité Q, elle se trouve dans l'intervalle qui correspond au score 5. Donc ça veut dire que Q est ici. Même raisonnement pour 4 et 4. Avec le premier test, ma quantité Q' se trouve dans l'intervalle suivant, c'est-à-dire que, ici, là, j'ai Q' qui se trouve ici. Ça veut dire que ma quantité de capacité de calcul mental a augmenté. Je suis passé de 3 à 4. Le deuxième 4 que j'ai obtenu au retest avec le deuxième test de calcul mental indique que ma quantité Q' se trouve dans l'intervalle qui correspond au score 4, c'est-à-dire ici, Q'. Et donc, je suis passé de 5 à 4, donc ma quantité de capacité de calcul mental a diminué. Donc, on va écrire ce qu'on vient de déduire. Si on se fie au premier test de calcul mental, on écrit que Q est strictement inférieur à Q'. Puisque la mesure de cette quantité de capacité de calcul mental a augmenté. Si on se fie au deuxième test, eh bien on écrit que Q est plus grand que Q', puisque le score de calcul mental a diminué. Mais si on écrit Q est inférieur à Q', ça veut dire que Q est différent de Q'. De la même manière, si on écrit que Q est plus grand que Q', ça veut dire aussi que Q est différent de Q'. Donc, on ne peut pas avoir à la fois Q est plus petit que Q' et Q est plus grand que Q', sachant que ces deux quantités sont distinctes. Donc, revoilà le phénomène d'incomparabilité de 2 uplés. 3, 5, c'est le premier donc 2 uplés, n'est pas comparable à 4, 4. Donc, par conséquent, 3, 5 et 4, 4 ne sont pas des mesures bivariées de ma capacité de calcul mental, parce que si ces deux uplés étaient des mesures bivariées, ils seraient comparables. Concernant l'exemple de l'estime de soi, je peux aussi considérer que le test d'estime de soi est un double test. Je peux définir un premier sous-test d'estime de soi composé des items impairs, comme tout à l'heure, et un second sous-test d'estime de soi composé des items pairs, ce qui me donne maintenant deux scores d'estime de soi, alors à savoir, donc, 4 et 3, 7, et 2, 9, et 1, 10, et 1, 11. 11 points d'estime de soi pour le premier sous-test. 4 et 1, 5, 5 et 3, 8, 8 et 1, 9, 9 et 3, 12. 12 points d'estime de soi pour le second sous-test d'estime de soi. Et ici, on obtient 3 et 4, 7, 7 et 1, 8, 8 et 1, 9, 9 et 1, 10, donc un score de 10 points d'estime de soi, d'une part, et d'autre part, 3 et 2, 5, et 4, 9, et 3, 12, et 4, 16. Donc 10, 16 points d'estime de soi. Donc je ne vais pas prendre le temps de tracer les fonctions de mesurage qui correspondent à chaque sous-test. Le raisonnement est exactement le même que celui qu'on vient de faire. On constate que, en ce qui concerne la première mesure d'estime de soi, on passe de 11 points à 10 points, ce qui signifie une baisse de quantité d'estime de soi, alors que, avec le deuxième sous-test d'estime de soi, on passe de 12 à 16 points, ce qui signifie une augmentation de la quantité d'estime de soi. Donc, Si ces deux déuplés étaient des mesures bivariées, ils seraient comparables. Ils ne sont pas comparables, donc ce ne sont pas des mesures bivariées. Si on tient absolument à l'idée que les scores sont des mesures, on est obligé d'admettre que les deux sous-tests de calcul mental mesurent chacun une qualité différente de capacité de calcul mental. La capacité spécifique aux items de calcul mental qui sont utilisés dans le premier sous-test de calcul mental et la capacité spécifique aux items de calcul mental qui sont utilisés dans le second sous-test de calcul mental. Et de fil en aiguille, on est obligé d'admettre qu'il existe autant de capacités de calcul mental que d'items de calcul mental. De même, on est obligé d'admettre que les deux sous-tests d'estime de soi mesurent chacun une qualité différente d'estime de soi. L'estime de soi spécifique aux items d'estime de soi du premier sous-test d'estime de soi et l'estime de soi spécifique aux items d'estime de soi du second sous-test d'estime de soi. Et de fil en aiguille, on est obligé d'admettre qu'il existe autant d'estime de soi que d'items d'estime de soi. Mais alors, la somme des valeurs numériques qui code les réponses aux items perd son sens théorique, puisque l'état de ma capacité de calcul mental est un point dans un espace multidimensionnel dont la dimensionnalité est le nombre d'items distincts possibles, c'est-à-dire un vecteur de quantité relative à une infinité de capacités de calcul mental. Un seul score de calcul mental ne permet pas de décrire ce vecteur. De même, l'état de mon estime de soi est un point dans un espace multidimensionnel de dimension plus l'infini, c'est-à-dire un vecteur d'une infinité de quantités. Un seul score d'estime de soi ne permet pas de décrire ce vecteur. Pour prendre un exemple simple et ancré dans le bon sens, on ne peut pas déduire les dimensions, c'est-à-dire un deux-uplé, d'un rectangle de sa surface, c'est-à-dire de la donnée d'un un-uplé. Parce que un rectangle n'est pas un segment de droite, mais un plan. Une fois qu'on voit les scores psychotechniques comme des réalités sociales destinées à servir de mesure, on est conduit à reconnaître un certain fétichisme qui entre en conflit avec l'attitude critique. L'attitude fétichiste consiste ici à doter le score d'une propriété évocatoire en acceptant de ne pas comprendre ce qui rend possible une telle propriété. Admettons que le QI mesure l'intelligence, nous admettons aussi de ne pas comprendre comment cela est possible sur des bases réalistes ou encore naturelles. Ce qui importe, c'est que le score de QI donne accès à une certaine idée de l'intelligence comme grandeur en laquelle on croit. Il importe de sauver l'idée coûte que coûte. C'est à sauver des façons de parler que sert la théorie classique des tests grâce, d'une part, à une certaine utilisation de la théorie des probabilités que je qualifierais de catastrophique du point de vue épistémologique et, d'autre part, grâce à un malentendu définitoire. La théorie classique des tests considère que tout score est une mesure imprécise ou encore inexacte. Admettre l'imperfection est une attitude raisonnable et on a vu, quand on s'est intéressé au mesurage de la longueur, de la masse ou de la température, que les valeurs observées sur le mètre-ruban, le cadran de la balance ou le tube du thermomètre étaient inexactes et qu'on ne pouvait que les encadrer. Mais attention, l'inexactitude inhérente aux valeurs lues sur ces instruments n'a rien à voir avec l'erreur de mesure de la théorie classique des tests. L'erreur de mesure de la théorie classique des tests repose sur un rêve. Le rêve en question est qu'on peut indéfiniment refaire passer le test à la même personne dans les mêmes conditions, ce qui suppose qu'on soit immortel et qu'on sache voyager dans le temps. Ainsi, on peut collectionner autant de scores qu'on le désire pour cette personne dans ces conditions. Mais ce n'est pas tout. On peut rendre l'infini fini et ainsi on peut calculer la moyenne d'une infinité de scores. On rêve aussi que les scores varient Si bien que quand on note la moyenne à chaque score, je vais l'écrire. Ôter la moyenne à chaque score, ça veut dire faire la différence entre le score que j'appelle x moins la moyenne. Et le score, je vais l'appeler xi parce que ce score est pris dans la série d'une infinité de scores. Ben, quand on fait la soustraction xi moins cette moyenne, on obtient ce qu'on appelle l'erreur de mesure. La moyenne ainsi définie est malicieusement appelée score vrai. C'est ici que le malentendu définitoire dont je parlais tout à l'heure est possible, parce que le terme « vrai » s'interprète naturellement dans un sens réaliste. Un énoncé vrai est un énoncé qui correspond à la réalité. Par exemple, il y a ici un tableau, est un énoncé vrai parce que s'il n'y avait pas ce tableau, je ne pourrais pas écrire dessus. Donc, il est facile d'identifier le score vrai issu d'un tel rêve, mu, à la quantité de grandeur. J'utilise ce symbole de trois traits pour dire est identique à ou est équivalent à. Donc il est facile d'identifier ce score vrai à la quantité de grandeur qu'on voudrait mesurer et qu'on a appelée Q, et dont on suppose qu'elle existe réellement, c'est-à-dire pas seulement dans l'imaginaire de notre culture. Si la théorie classique des tests n'était pas destinée à consolider le mythe de la mesurabilité des grandeurs psychologiques, la moyenne d'une infinité de réplications, qui est une impossibilité, aurait été appelée score impossible, et non pas score vrai, ou encore score irréel, ou encore score rêvé, ou encore score idéal. Et la différence entre le score idéal et le score n'aurait pas été appelé erreur de mesure parce qu'il est clair que le score ne résulte pas d'un mesurage, mais d'un scorage. Avec la théorie classique des tests, mesurer n'est plus profiter d'un principe causal de mesurage, c'est scorer, c'est-à-dire exprimer en nombre. Et le score vrai devient un concept doté de la respectabilité mathématique que lui confère sa définition probabiliste, que voici. On considère d'abord tous les scores possibles. Alors disons, pour continuer avec l'exemple du test de calcul mental, S, l'ensemble des scores égale 0, 1, etc. jusqu'à 10. Ensuite, on pose qu'il existe une loi de probabilité, grand P, qui est égale à petit P0, petit P1, etc. jusqu'à petit P10. Loi de probabilité qui associe une mesure de probabilité à chaque score. Donc, la mesure de probabilité du score 0, c'est P0. La mesure de probabilité du score 1, c'est petit p1, etc. La mesure de probabilité du score 10, c'est petit p10. Alors, du coup, on arrive à une définition probabiliste du score vrai, c'est-à-dire que la moyenne est égale à P0 que multiplie 0 plus P1 que multiplie 1 plus etc. jusqu'à P10 que multiplie 10. L'existence du score vrai est aussi solide que l'existence de la loi de probabilité qu'on vient d'invoquer pour réinterpréter le score comme événement empirique objectif. Le score que j'ai obtenu au test de calcul mental est le résultat d'une expérience aléatoire qui obéit à une certaine loi de probabilité. Tant qu'on n'ose pas douter de l'existence de cette loi de probabilité, on ne doute pas de l'existence du score vrai qui se présente comme une réalité irrémédiablement inaccessible puisque les mesures de probabilité P0, P1, etc. sont théoriquement indéterminées. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que même si elles étaient théoriquement déterminées, on ne pourrait quand même pas les tester statistiquement puisque, par définition, le score de quelqu'un qui a passé tel test est le résultat d'une expérience unique, on ne peut pas voyager dans le temps, et que le test statistique d'un énoncé probabiliste comme la probabilité d'obtenir le score 5, donc je peux l'écrire comme ça, la probabilité d'obtenir le score 5 est égale à 0,3 par exemple, ben, un énoncé probabiliste comme ça, pour être testé, suppose un grand nombre d'observations, les plus nombreuses possibles. Autrement dit, la fonction de la théorie classique des tests n'est pas d'expliquer comment il est possible que les tests soient des instruments de mesure, mais de permettre de dire qu'ils sont des instruments de mesure, puisqu'ils permettent d'obtenir des scores qui mesurent un score vrai, avec une erreur de mesure plus ou moins grande, et inconnue. La conséquence d'une telle rhétorique est épistémologiquement catastrophique parce qu'elle invalide toute conclusion théorique. Prenons par exemple mes scores de calcul mental 8 et 8. Alors, on a donc pour le test comment écrire la situation pour le test? On a un score considéré comme le résultat d'une expérience aléatoire. Donc, on va l'appeler numéro i et qui concerne le test, donc. Qui est égal à la moyenne, donc le score vrai supposé exister, qui caractérise le test, qui caractérise le fait que quand je passe le test, ce score vrai existe, et donc le score que j'ai observé au test est égal à ce score vrai plus une erreur de mesure, donc epsilon petit i test, donc égal à 8. D'autre part, au retest, on a à nouveau un score considéré comme le résultat d'une expérience aléatoire, donc il a un numéro j, pour le retest, qui est égal au score vrai du retest, plus une erreur de mesure liée à ce retest, égale 8. Puis-je déduire que mon score vrai n'a pas changé? Non, car j'ignore la valeur des termes d'erreur. Il est possible, par exemple, que mon score vrai ait augmenté de 2 points parce que je ne peux pas exclure que 8 soit égal à 7 plus 1, donc 7 serait le score vrai, 1 l'erreur de mesure, d'une part, lors de la première passation donc, et que 8 égale 9 moins 1 lors de la deuxième passation, du retest. Hein? Je ne peux pas exclure ces deux possibilités, et si ces deux possibilités sont possibles, ça veut dire que mon score vrai il a augmenté. Du test au retest. En fait, je ne peux rien exclure qui m'apprenne quelque chose sur la différence entre les deux scores vrais. Concernant mes scores d'estime de soi, mon score est passé de 23 à 26. Donc 23, 26. Je ne peux pas déduire que mon score vrai a augmenté, mon score vrai d'estime de soi a augmenté, parce que, par exemple, je ne peux pas exclure que 23 soit égal à 28 moins 5, d'une part, et que d'autre part, 26 soit égal à 20 plus 6, hein, ce qui signifierait que mon score vrai a diminué, alors que mes scores observés sont tels que on observe une augmentation. Les données et la théorie ne me permettent pas de déduire ce qui se passe au niveau des scores vrais. D'une certaine manière, c'est heureux puisque le score vrai est une idée fondée sur une loi de probabilité qui n'est pas prise au sérieux du point de vue d'une psychologie réaliste. Mais d'un autre côté, voilà les utilisateurs des scores, vus comme des techniciens des mesures psychologiques, contraints de tirer des conclusions logiquement invalides de leurs mesures, ou bien de ne pas tirer de conclusions du tout s'ils tiennent à la validité de leurs conclusions. La position qui me semble la plus satisfaisante du point de vue de la recherche de la vérité scientifique consiste à ne pas défendre l'indéfendable. Les tests ne sont pas des instruments de mesure, ce sont des instruments de notation, ou c'est la même chose de scorage, et on peut se passer de l'idée que les scores recèlent des scores vrais, et ne pas trébucher sur le malentendu qui consiste à croire à tort que le score vrai corresponde à une vraie quantité, c'est-à-dire à une quantité réelle. L'hypothèse par défaut est que les scores ne mesurent aucune grandeur parce que les scores sont une fonction des réponses aux items et que les réponses aux items ne mesurent aucune grandeur. On peut certes soupçonner que certains scores soient faux à cause d'erreurs d'observation ou d'erreurs de calcul, mais les scores peuvent être traités pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des valeurs dans une échelle de valeurs dont la fonction est évaluative. La seconde approche psychométrique dont je parlais en introduction s'est développée comme une application des avancées de la modélisation statistique à la psychotechnique, sous le nom de modèle de réponse à l'item ou encore de théorie de réponse à l'item. Donc modèle de réponse à l'item, c'est MRI, et en anglais, théorie de réponse à l'item, Item Response Theory, c'est IRT ou IRT. Le caractère très technique de cette approche fait que, en pratique, il faut pouvoir travailler avec des statisticiens spécialisés pour la mobiliser en connaissance de cause. Le fait est que la majorité des travaux de validation des tests psychologiques s'inscrit dans le contexte de la théorie classique des tests. Mais il y a aussi une autre raison qui permet de comprendre pourquoi cette approche reste assez confidentielle, c'est que les psychométriciens reconnaissent que les modèles psychométriques sont faux. Je cite par exemple Embretson et Reise, ainsi que de nombreux auteurs l'ont mis en évidence. Tous les modèles statistiques de processus psychologiques, par exemple un modèle IRT, sont faux et il suffit d'une taille d'échantillon assez grande pour le prouver. Une petite rectification si je peux me permettre, les modèles IRT ne modélisent pas le processus de la réponse à l'item, c'est-à-dire la manière dont la réponse est fabriquée par la personne qui répond à l'item, ils l'ignorent et y substituent un processus stochastique ou encore probabiliste, qui est faux. En fait, ces modèles n'ont pas été développés pour résoudre des problèmes théoriques, c'est-à-dire pour expliquer ce qu'on observe quand des gens répondent à des items de test, mais pour résoudre des problèmes d'évaluation du genre. Comment comparer deux personnes lorsqu'elles n'ont pas passé les mêmes tests, Ou encore, comment comparer deux personnes qui ont passé les mêmes tests et appartiennent à des milieux culturels différents en partant du principe que, dans chaque culture, ces tests n'ont pas la même difficulté. Ou encore, lorsque le test est administré en temps limité, comment doit-on différencier une absence de réponse à un item qui n'a pas été vu et une mauvaise réponse à cet item? Autrement dit, l'utilisation des modèles IRT peut très bien se défendre dans une perspective d'ingénierie de l'évaluation, c'est-à-dire une fois qu'on a reconnu qu'il s'agit de définir une politique de classement des personnes sur une échelle de valeur, échelle qu'il s'agit de construire en agrégeant des informations qualitatives multivariées, objectif qui n'oblige aucunement à défendre l'idée que les réponses aux items soient des mesures. Et si un simple scorage suffit à construire une échelle de valeur socialement acceptable, on comprend que le détour par une modélisation statistique sophistiquée, qui demande des compétences proprement statistiques qu'on n'a pas si on n'a pas une solide formation de mathématiques appliquées, soit tout simplement évité. L'idée principale des MRI consiste à imaginer une fonction qui fait dépendre la probabilité des m uplets possibles, d'une part de ce qu'on appelle un paramètre personnel et d'autre part de ce qu'on appelle des paramètres d'items. Le paramètre personnel est un nombre réel qu'on attribue à une personne au moment où elle passe le test, le mot « réel » étant pris au sens non pas ontologique du terme, c'est-à-dire au sens où ce nombre est constitutif du réel de la personne à ce moment-là, mais au sens mathématique de l'ensemble des nombres réels. Les paramètres d'items sont des nombres réels qu'on attribue aux items ou aux différentes réponses aux items du test. On parle notamment de paramètres de difficulté et de discrimination, mais il n'est pas nécessaire de se perdre dans des détails. Si on considère un test donné, les paramètres d'items sont fixés. Seul varie le paramètre personnel en fonction de qui passe le test, en supposant qu'une personne ne passe le test qu'une fois. Comme le nombre de personnes qui passent le test est fini, on a une liste finie de paramètres personnels pour ensemble de départ de la fonction. Donc je vais le représenter. On a donc une liste finie de paramètres qu'on va noter θ1, θ2, etc. jusqu'à θn. Et pour chaque paramètre personnel, on a une loi de probabilité. Alors P1, P2, etc. jusqu'à Pn, qui définit la probabilité des Z égale K1 fois K2 fois Km, M uplets possible, ou KJ, c'est-à-dire J étant égal à 1, 2 ou M, ou donc KJ est le nombre de réponses à l'item numéro J. Alors, on a donc, pour tout état, donc je vais compléter ma liste en mettant ici θi, grand PI, jusqu'à θn et grand Pn. Donc pour tout état i variant de 1 à n, on a une loi de probabilité pi qui est égale à petit p. Alors, petit p, je voudrais décrire cette loi de probabilité dans le détail. Donc, on va avoir petit p i1, petit p i2, etc. jusqu'à petit p i z. Donc, il faut voir que cette loi de probabilité, elle est relativement lourde, hein, puisque, par exemple, si on envisage un test composé de 10 items avec pour chaque item 4 réponses possibles, Z sera égal à 4 exposant 10. On a dit tout à l'heure que c'était plus de 1 million de 10 supplés possibles. Ça veut dire qu'on attribue une probabilité à plus de 10 millions de 10 supplés possibles. Donc, on fait le travail conceptuellement pour chacun des paramètres θn qui caractérisent les n personnes qui ont passé le test. Autrement dit, on se place dans un récit où ce qu'il s'agit d'expliquer, ce sont des lois de probabilité et non pas des réponses. Or, une loi de probabilité n'est pas un objet empirique parce qu'on ne sait pas observer des probabilités, si bien qu'il ne s'agit pas d'expliquer le moindre phénomène empirique. Supposons qu'on connaisse la fonction phi, qui je vais l'écrire ici, associe à tout paramètre personnel une loi de probabilité dans grand P1, grand P2, etc. jusqu'à grand Pn. Donc supposons qu'on connaisse cette fonction phi. Il faut encore connaître le nombre caractéristique de la personne pour connaître la loi de probabilité qui donne une mesure de probabilité à tous les muplés du test pour cette personne. Autrement dit, il faut avoir mesuré ce paramètre personnel, ce qui suppose qu'il existe, ce paramètre, et qu'il soit mesurable, ce qui fait qu'on tourne en rond. Dans un problème de mesurage, on veut pouvoir déduire ce qui se passe au niveau de la grandeur en termes d'augmentation ou de diminution à partir des réponses observées. Et pour cela, on a besoin d'une fonction qui fait dépendre ce qu'on sait observer de ce qui se passe au niveau quantitatif, c'est-à-dire la fonction de mesurage. Dans la perspective des MRI, le problème est totalement différent. Voilà ce qu'on sait faire avec des MRI. Étant donné un certain choix de spécification de la fonction phi, parce qu'il faut choisir le type de cette fonction, qui définit les lois de probabilité des réponses, et un ensemble de réponses observées à un test donné, on cherche les nombres caractéristiques, y compris les paramètres personnels, qui permettent de faire en sorte que les observations dont on dispose collent, entre guillemets, avec ce que raconte la fonction, ou encore le modèle qu'on s'est donné. On appelle estimation ces valeurs optimales, c'est-à-dire ces valeurs qui optimisent une fonction dite d'optimisation qui définit quantitativement ce que veut dire le verbe « coller ». Et c'est le métier des statisticiens que de développer des méthodes d'estimation de paramètres statistiques. Il faut bien voir que l'estimation de paramètres statistiques ne présuppose pas qu'ils soient mesurables au sens réaliste du verbe « mesurer », ni même observables. Estimer un paramètre personnel grâce à un modèle IRT, ce n'est pas mesurer la quantité de grandeur qu'une personne possède, c'est résoudre une équation mathématique et, si je peux me permettre, c'est une sacrée performance, ne serait-ce que de poser le problème sous la forme d'une équation à résoudre. Il est clair que si on accepte le modèle, on peut accepter les estimations attribuées aux personnes, et alors on peut les classer simplement sur une échelle de valeurs, ce qui est l'utilité du modèle. Si on n'accepte pas le modèle, en pratique, cela n'a pas de conséquences théoriques parce que, à ma connaissance tout au moins, aucune théorie psychologique ne débouche sur au moins un modèle IRT. Si d'aventure, une théorie psychologique débouchait sur l'idée que les réponses d'une personne à des items de test dépendent d'une loi de probabilité qui elles-mêmes dépendent de paramètres numériques pour la personne et pour les réponses possibles, cette théorie soulèverait deux problèmes à mon avis insurmontables. Le premier problème, c'est qu'elle ne serait pas testable parce qu'il faudrait pouvoir faire plusieurs observations en sachant que le paramètre personnel est stable. Pour cela, il faudrait pouvoir le mesurer et on ne sait pas le mesurer. Le second problème est celui du critère de non-oxymore de Lius qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si on mettait la personne au courant de la loi de probabilité qui est supposée déterminer la manière dont elle répond au test, celle-ci pourrait facilement désobéir à cette loi de probabilité en choisissant des réponses qui obéissent à une autre loi de probabilité, par exemple refuser de répondre à tous les items du test ou bien répondre toujours la même chose. Le but de cette vidéo était de présenter la théorie classique des tests et la théorie de la réponse à l'item, qui sont les cadres conceptuels contemporains de ce qu'on appelle la validation des tests psychotechniques, reconnus comme des instruments de mesure, comme une manière de ne pas reconnaître que l'hypothèse scientifique qui devrait être considérée comme vraie, jusqu'à preuve du contraire, c'est que les réponses aux items de test psychotechniques ne sont pas des mesures. Tout d'abord, je voudrais citer Joel Mitchell, philosophe et historien de la psychométrie, pour montrer que ma critique du mythe de la mesurabilité des grandeurs psychologiques ou psychotechniques grâce aux tests psychotechniques n'est pas une fantaisie personnelle. Je traduis Mitchell. Le fait que les psychométriciens, dès les débuts historiques de leur discipline, se sont studieusement désintéressés de la question de savoir si les attributs qu'ils désiraient mesurer sont vraiment quantitatifs, signifie que leur discipline est une science pathologique et que leur statut de scientifique est profondément compromis. Les scientifiques qui se soucient plus de paraître quantitatifs et des avantages qui peuvent être gagnés grâce à une telle apparence que des questions scientifiques fondamentales placent leur intérêt personnel devant la vérité. En faisant cela, ils ne se conforment pas aux valeurs de la science et placent des intérêts non scientifiques au-dessus de ces valeurs, quitte à discréditer la science en tant que telle. Si les attributs que les psychométriciens désirent mesurer sont des ordres hétérogènes, alors la psychométrie, telle qu'elle existe actuellement, est fatalement fourvoyée et destinée à rejoindre l'astrologie, l'alchimie et la phrénologie dans la poubelle de l'histoire. Ensuite, dans la mesure, je peux utiliser le verbe mesurer de manière littéraire ici. Dans la mesure où la théorie classique des tests implique l'invalidité logique des conclusions qu'on peut tirer à partir des scores concernant les scores vrais, elle ne sert à rien pour les scientifiques, pour autant que les scientifiques défendent qu'ils apprennent grâce à leur capacité d'observation et de raisonnement logique. Tout au plus sert-elle à faire croire à un public profane que la validation des tests psychotechniques respecte l'éthique scientifique, mais il s'agit ici d'un grave malentendu, voire d'une imposture. Il faut, pour former les étudiants de psychologie aux questions de la mesure des grandeurs psychologiques, partir d'une définition scientifiquement acceptable de ce qu'est mesurer. Enfin, on peut néanmoins se garder d'une attitude extrémiste qui consisterait à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que les réponses aux items de test ne sont pas des mesures, pas plus que les scores qu'on fabrique à partir de ces réponses, que les tests psychotechniques et les scores psychotechniques ou psychométriques s'ils résultent d'estimations statistiques savantes, sont inutiles. Mais il faut clairement poser la question de ce qui fait leur utilité et, partant, leur acceptabilité sociale, ce qui fera l'objet de la prochaine et dernière vidéo.